cette plante vigoureuse, qui peut atteindre dans de bonnes conditions 3 mètres de hauteur, disparaît complètement en hiver et renaît à partir de la souche au printemps. Elle appartient à la famille des phytolacacées. Ses fortes tiges, souvent ramifiées, portent des feuilles entières de 10 à 40 cm de longueur. Elles produisent des inflorescences, dites axillaires, opposées à une feuille ou un rameau. Les fleurs, de couleur blanc-verdâtre, sont disposées en longues grappes simples, appelées racèmes, et donnent après pollinisation des petits fruits juteux d'un noir brillant. Phytolacca americana est originaire, comme son épithète le suggère, d'Amérique du Nord. Il aurait été introduit en France au milieu du XVIIe siècle par le port de Bordeaux, où il a été cultivé dans la région, surtout pour ses propriétés tinctoriales et parfois comme plante ornementale. On l'appelle communément raisin d'Amérique, lac, ou raisin des teinturiers, car, à partir de ces baies noires, on fabriquait une teinture violette pour colorer le vin, des sucreries, de l'encre, ainsi que pour teindre du papier et des tissus. Le nom du genre, Phytolacca, se traduit précisément par « lac végétal ». À partir de l'Aquitaine, ce raisin des teinturiers s'est échappé des cultures et s'est répandu un peu partout en France et en Europe, jusqu'à devenir une véritable plante invasive, colonisant aujourd'hui de plus en plus d'espaces, y compris en ville. Bien qu'appétissante, les baies fraîches du raisin d'Amérique sont quelque peu toxiques.